C'est un autre personnage. Moi, je prends celui-là. Allez, je prends tes gaz. Personne ne veut du chevalier du cygne, quand même. On a un peu le dragon, je crois que c'est lui que j'aurais pris. Dragon? Non, j'aurais pris une phénix. Plutôt Romain. Ça change rien, un personnage ou l'autre, d'ailleurs. Si, ils ont tous des pouvoirs différents. Ah, mais en plus, je crois que j'avais lu le dernier coup. Non, je vais prendre le cygne. Oh! Quelqu'un veut le dragon? Du coup, oui, je veux bien parce que moi, c'est le dragon qui m'intéresse. J'aime bien les dragons. Il y a ceux qui choisissent Merci. leur jeu en fonction des pouvoirs, et il y a ceux qui choisissent en fonction de l'esthétique. Non, c'est juste que bah, c'est esthétique aussi. Et c'est juste que bah, oui, j'avais déjà pris la dernière fois. Donc. Moi, c'est juste en fonction de la constellation. Il y a des dragons, ça me plaît. T'as même pas regardé la série. J'ai regardé les nouveaux chevaliers du Zodiac, j'ai pas regardé les anciens. Ils ont fait des nouveaux, j'ai eu peur. Pour les gars. Hein. C'est avec les descendants des. Enfin, ceux qui reprennent. D'accord. Il y en a un qui mélange la moitié de l'autre. Alors, comme je l'ai dit il y a deux minutes, faut pas mélanger. Oui, mais tu as pas dit assez fort. Moi, j'ai juste mélangé les cartes vertes. Oui, c'est ça, parce qu'il faut mettre ça de côté. Garder l'armure et ça. Oh, c'est triste. Ça, c'est pour engraver. Ça, c'est le bloc de départ. Donc, tiens, machin, ok. Donc, ça sera 5 cartes en main à chaque fois. Si les mêmes, ça sera cool de les mélanger. Petite... Si, parce que c'est là. Ah oui, celle-là, oui, d'accord. Il y en a une qui est différente. L'armure. Puisque tu l'as mise dedans, puisque tu as été la chercher dans la carte rouge. Comme tu viens d'écouter les consignes. Ah, mais il écoute rien. Hein. Donc il y en a une comme ça. Non. Ça, c'est pas une armure. Bah, j'ai pas d'armure alors. Tu t'es fait arnaque. Quelque part, l'armure. Bah, je lis pas. Moi je dis que tu t'es fait arnaque. Parce qu'il parle de petite armure, j'ai mis quelle armure, j'en ai au moins quelqu'un l'a rajouté. Moi j'ai que des trucs d'Andromède. Moi j'ai juste le dragon. Là j'ai pas contrôlé les armures. Je regarde dans le paquet là. Ouais, c'était bon. On met du signe. Voilà. Donc, je vais glisser dans le paquet. On met du signe. Ouais. Ouais. C'est la dernière. C'est quand quelqu'un m'a pris la dernière fois. Okay. Quand je remélangerai après, puisque je vais expliquer un peu le but. Oui, ça serait bien. Le but du jeu, c'est de vaincre les 12 chevaliers d'or. Le jeu termine quand il n'y a plus de flammes au milieu de l'horloge. Ok. Comment ça va se passer? Donc, on peut avoir le marché ici, la pioche, et pas la dépose. Quand on va avoir un chevalier d'or ici, donc les chevaliers d'or, hop là. De toute façon, c'est les 12. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon maître, j'ai un bonus. Donc, s'il est ici, qu'on le tape, on le prend dans son paquet et on enlève une planche. Ou quand il arrive au bout, personne ne l'a tapé, voilà, on enlève quand même une planche. Au bout d'un moment, les 12 pour passer. On ne sait pas quand, ça peut être les 12 premières cartes. Hein. Parce que là, ça va très très vite. Ça va aller très très vite. Oui, là, ça va être compliqué, je crois. Ça bouge. Bon. Ça peut être la toute dernière carte du paquet. Ou ça peut être une dernière carte du paquet. Alors attention, il y a un Moody's, c'est Seiya, le chevalier là, en armure d'or et compte pas. C'est le Sagittaire version Seiya. Donc, les 12 lames, les marqueurs blessures sont ici. Donc il y en aura 6 à chaque fois. Alors, comment se déroule une carte? Donc ici, il y a le prix qu'on utilise
avec nos points rouges. Ça, en fait, c'est les points de combat, on le bat et puis après on récupère dans la pièce. Ou alors, ici, on a. On voit pas bien. C'est les points de victoire. On peut les payer aussi quand il y a la petite flamèche bleue avec des petites icônes comme ça. C'est le mana. Là au début on n'en a pas, on a juste un point de vie et un point comme ça. Et sinon, on a celle-là. Donc on peut les dépenser pour dire, bon bah à la place de dépenser 8 comme ça, je vais dépenser en bleu, par exemple. Mais ça reste 8 le coup du coup. Je vérifie, j'ai l'impression que c'est tout. Oui, ça c'est. Et vas-y. Ouais. Merde, c'est encore sauté ça. Je me demande si c'est pas le plus. Bref. Ouais. Okay. Donc, à tour de jeu, c'est. On joue des personnages de notre main. Ils sont là. On joue des armures. Alors, les armures, c'est les seules cartes qui restent d'un tour à l'autre. On ne la récupère pas. Sauf si on fait l'effet. On acquiert des cartes qui sont ici. Parce qu'on peut tout faire. En tant qu'on a des cartes en main, on soigne des personnages blessés et on active les effets des personnages qu'on a joués. Quoi qu'on a fait ça, c'est la phase d'entretien. Donc on repioche, on défausse toutes les cartes jouées. On retire la dernière carte qui est ici, de toute façon c'est le petit symbole rouge. On décale toutes les cartes et on complète le terrain. Et après le joueur, on tourne au premier joueur, passe à gauche. On a combien de cartes au moins? 5. Alors Alors la différence entre le rouge et le bleu, c'est que le rouge il va dans la défausse quand on l'attaque. Et si on le fait par le bleu, il revient directement dans la main. Donc on peut le jouer directement. Et on peut le rejouer. Ok. Il peut y avoir différents effets sur les cartes quand elles arrivent. Ça j'expliquerai au fur et à mesure. Et les armures, donc on en a tous une dans le paquet. On la joue. Et on peut. Soit l'utiliser pour avec ce coup, donc ça faudra le dépenser, soit on la défausse et on fait l'effet. Okay. Et par exemple, là, l'effet de chacune des armures comme ça, on défausse deux cartes identiques et on récupère une carte près dans la défausse, qui sont plus fortes. Elles ont un effet. On peut. Alors, quand on attaque, on place d'abord les cartes les unes derrière les autres, comme ça. Et après, on le fait. On fait tout à la fin. Mmh. Parce qu'il y a peut-être des effets qui vont faire que. Et donc, s'il y en a un qui a le mot arrivé, c'est dès que ça arrive sur le tapis, on fait l'effet. Quand c'est vaincu. On le fait. Mise en jeu, c'est à l'instant où la carte est jouée depuis la main d'un joueur. Et l'activation, donc c'est défausser, blesser ou détruire, c'est au moment où c'est dit. Comment je les blessures du coup? Alors les blessures. Des fois, tu auras des gens qui t'auront blessé un de vos personnages. On montre un. Blessure dessus. Elle ne sera pas mise dans la défausse, elle ne peut pas être jouée, elle ne peut plus être activée. D'accord. Le seul moyen, c'est de la soigner. Dans ce cas-là, elle est vraiment. Et pour soigner, il suffit d'avoir ce petit symbole-là. Et donc, de soigner autant de blessures que de cœur que vous voulez utiliser. Comme bien sûr, vous utilisez un cœur, vous n'utilisez pas l'attaque. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est toujours l'un ou l'autre. Voilà. Et donc, à la fin, il y a des points. Donc, c'est quand même compétitif. Il faut compter tous les points qui sont en bas à droite.
Donc là, les armures, tout ça. Les chevaliers d'or donnent plus de points que le reste. Alors, à savoir qu'on peut avoir qu'une seule armure en jeu, à la fois. Si vous jouez une armure et que vous en avez une autre, vous la déposez. Ce qui est bête, c'est que mieux utiliser l'effet et jouer l'armure après. Ouais. Voilà, en gros, j'ai rien oublié, je pense. Je crois pas. Tu avais dit qu'ici, pour taper celle-là, il y avait une réduction de 1. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, la toute dernière. La toute dernière, il y a une réduction de 1 en rouge et en bleu. Elle est plus facile à taper ou à quelle. Bon, à part ça, je crois que peut-être tout dit. La version standard est assez simple. Avec les extensions, c'est autre chose. Ouais. Parce que Poséidon et Asgard. Oui, ça dit pas pourquoi c'est plus compliqué. Ah, donc c'est plus des histoires de chevaliers d'or, c'est l'histoire du pilier, puis l'autre c'est Saphir. Pas comme dans le dessin. Allez, c'est cette carte-là qui ne comptera pas en tant que chevalier d'or. De toute façon, on la reconnaît, il n'y a pas de flamme en. Voilà, c'est ça. La petite flamme en bleu, ça veut dire qu'on en a les mêmes. De toute façon, quand elle apparaîtra, tu nous diras. Oui. Et plus il fait chaud, plus il est bien. J'ai l'impression. Du coup, ça veut frise, mais ça met du temps à réagir. C'est cool. Là, il y a la... ça dépend comment elle s'est configurée, tu sais, avec les délais et tout ça. Oui. Là, tu coupes. Il a moi. Ouais. Une main innocente, on n'a pas sous la main, donc je prends la pire. Je te préviens, moi, quand je mélange ou quand je coupe, ça retrie les cartes là derrière, ça les met toutes dans un certain sens. J'ai mieux en le touchant. Hein. Je t'ai dit, pour le tournoi de Vilenus, c'est moi qui ai mélangé mon propre paquet, j'ai mis la carte qu'il me fallait en dernière. Disons, on n'a pas que des chevaliers d'or. Alors, chevalier de bronze, chevalier d'argent, putain, chevalier d'orange. Je vais allumer. Ouais. Ouais, surtout le texte sur du noir, c'est là. Ouais. Compliqué. Mais non, mais sans lumière, c'est compliqué, c'est surtout ça. Donc, il y a le dé qui est pas loin. Oui, je vais penser. Ça fait un effet différent, donc il faut qu'on soit blanc ou noir. Noir, souvent, c'est un effet qui va se faire tant que c'est dans la rivière, et blanc, c'est quand tu le joues. Et si j'avais fait un effet d'arrivée au démarrage, ça ne comptait pas. D'accord. Et là, il n'y en a pas. J'ai fait 4. Vas-y. Pour déterminer quand je joue. 3. Okay. 6. Ah. C'est Thierry. Donc tu pioches une carte et puis tu le. Ouais. Bowling standard, quoi. Je vais piocher 5 cartes aussi. Ici, je vais trouver ici. Ça, c'est. Laissez tous les personnages utilisés pour le combattre possédant du cosmos. Ouais, donc au début c'est pas grave. Ouais. C'est qui combat Phoenix, non. Est-ce que c'est quelqu'un... moi qui. C'est toi. Et du coup, son coût est réduit de 2. Déjà, celui qui coûte 0 du coup, tiens, moi. Non, il est. C'est ah oui, non, voilà. Le coût est en haut. Fatigué. Et lui, il est violent en début de partie, surtout, il laisse tous les personnages qui n'ont pas de cosmos. Aïe. Il coûte trop cher. Cosmos, c'est la flamme. En fait, je blesse toutes les cartes. Oui, c'est ça. Donc, t'as un paquet de 5 cartes après. Moi, t'es sûr que tu contrôles ce que t'as. Eh ouais, au moins, t'es. C'est plus embêtant après quand tu fais ça avec des bonnes cartes, quoi. Ouais. Parce que là, franchement, tes cartes de départ, t'as un cœur, un coup. Donc, oui, oui. Pour 3, je vais prendre les deux coups. Mm-hmm. Et pour 2, je vais prendre. N'oublie pas de mettre tes cartes en dessous aussi que tu utilises. Parce que là, ça fait rien. Par contre, si tu les utilisais pour celle-là, là, il faudrait que tu les. Oui, oui. J'ai d'ailleurs enlevé mon paquet pour pas gêner. Ah, c'est compliqué. C'est bon, faut bien les mettre en dessous, hein. Prochaine fois.
Donc là, hop, ça circule. Il en faut 3 de même. Ah, l'armure de lion. Et l'armure du Sagittaire. Donc ça ne compte pas non plus, tu vois, les chemins. Oui, c'est pas. Donc c'est à moi. Il y en a un qui coûte que 1. Et il fait 2 attaques et c'est tout, je crois. Il se fait 1 d'attaque et les chevaliers combattants aux côtés de Shaw ne peuvent pas être blessés. Ah, c'est bien aussi. Oui. Sachant que les armures, il ne faut que du bleu. Ouais, c'est un. T'as pas de choix. Hein. Tu l'as compris? 4 moins 2. 2 pour toi parce que t'es... Chaque adversaire blesse un chevalier, c'est une opération sympa. Donc pour 2, je vais mettre ça ici. Mmh. Je suis fini le fluidity. Pour 3, je continue. Ok. Chaud, c'est barré. Ah, il y a déjà un chevalier d'or. Ils sont tous en double sauf les chevaliers d'or. Ouais. On ne peut plus soigner aucun personnage tant qu'elle est en jeu. C'est cool ça. Tant qu'elle est dans la rive. Ouais, ouais. Ouais. Par contre, le chevalier d'or du géant, il est méchant. Oui, tu blesses tous les personnages que tu as utilisés pour le combattre. Sachant qu'il faut 8 gars pour les avoir. Ouais, c'est compliqué. Les premiers, ils vont passer. C'est... Détruire, ça veut dire qu'il disparaît du deck. Ça va dans ta défense. Ouais. Ah, dans la défense. Non, détruire, c'est retirer du jeu, c'est peut-être en dessous des choix. Ouais, pour moi, le terme détruire en général, ça veut dire ça. C'était le... Ah, il est placé sous le marqueur, oui. Et un personnage en main, ça veut c'est dire retiré. C'est à la paix. Il est dans la défense. D'accord. Quand c'est détruire un personnage en main, ça veut dire un que t'as... pour lequel pas du coup, t'auras pas tu pourras pas l'utiliser pour ce tour. Quoi. On est d'accord. Alors, défausser, c'est dans la défausse. Détruire, c'est sous le jeton. Et retirer, c'est dans la défausse commune. Ok. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'effets retirés. Il y a plus des effets détruire ou défausser. Oui, détruire, c'est là, tu récupères jamais. Ah, il y a des cartes qui permettent de récupérer des cartes détruites, mais très rare. Sachant qu'il y a Athéna dedans aussi qui te fait des effets sympas, mais qui fait rien, qui fait pas d'attaque. Hein. Je crois qu'elle donne pas mal de cosmos. Et elle fait du tout. Ouais, bah, je crois que pas d'attaque. Et bah, c'est oui, le rouge. Les attaques. Enfin, je t'avoue que je sais plus. Allez, on fait tourner. D'accord. Non, mais moi, déjà mangé plein la semaine dernière. Bon, il m'a dit de faire tourner, je fais tourner. Bon, bah, allez. Même si tu continues de faire tourner, puis ça revient aussi. C'est ça. Moi j'ai pas fait Pégase, il y avait le Pégase Nord qui était là. Oui, bah t'as aussi Dragon Noir. Mais il va peut-être pas sortir, imagine que les deux exemplaires sont en dessous des deux chevaliers d'or. Du coup, je fais ça. Ouais. Enfin, du coup. Enfin, il m'en manque l'un, quoi. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Ah. Et ça, je le pose devant moi et j'utiliserai plus tard. Ok. Et bah, tu prends Pégase. Pégase. Ça dégage. Tuc. Alors, tant que c'est pour des chevaliers, c'est pas très grave. Hein. Tiens, il est revenu. Il est revenu, Jean-Pierre. Ouais. Il y a juste des bouts de fret. Ah, mise en jeu. Mise en jeu, c'est quand tu le joues devant toi. Ouais. Tu fais quoi, du coup? Tu détruis un personnage de ta main, puis tu le tiens. Ça peut être pas mal. Du coup, je vais mettre l'armure du dragon, que je vais défausser tout de suite pour faire son effet. Je détruis 2 chahuts identiques de ma main pour ajouter à ma défausse un chahut de rang immédiatement. Donc là, tu mets un peu ton jeton. Et ensuite, je joue les deux là, ici. Ouais, c'est lui, ouais. Il fait rien d'autre. Non, il fait rien d'autre. L'armure du lion, bye bye. Ouais. Donc. Django, alors lui il donne des points de victoire spécifiques pour chaque chevalier noir de nom différent dans le deck, ça donne plus un point. À la fin,
Placez dans votre défausse un chevalier noir présent dans la défausse d'un adversaire. Tu piques les chevaliers noirs des autres. Non. Là, c'est défaussé aussi, donc il n'y a pas de mise en jeu. C'est bon, tu joues Non, d'accord. Non, c'est quand tu le défausses. C'est-à-dire que par contre, t'as pas le cosmos quand tu fais ça. Oui. C'est tout. Bon, bah déjà, je trouve ça. Ah, laisse-moi deviner, Flo. Là, tu n'as que des chirions en main. Mais comment tu fais ça? Oui, je l'ai. Oui, je l'ose. Je ne comprends pas comment tu as réussi à deviner ma main. Ah, c'est sur une caméra, j'ai un don. Alors, ici. Arrivé quand chaque joueur peut laisser un personnage de sa main pour piocher une carte. C'est pas obligatoire. Laisser un personnage de sa main. C'est-à-dire c'est une carte qui reviendra le fond pour l'instant tant qu'elle n'est pas soignée. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu sais plus si j'ai encore 5 chariots ou pas. Mais en fait, à ce stade-là, ça peut être plus une meilleure carte. Ouais. Oui. Soit la même, soit une meilleure, quoi. Oui. Ouais, bah, tout le monde peut le faire, du coup. Oui, tout le monde peut le faire. J'en blesse ça aussi. Pareil, j'en blesse. Je vérifie par rapport. Je dois piocher une carte. Ça n'a rien changé. C'est au moment où je dois piocher, c'est-à-dire que lui, je le remets là-dedans et je mélange après. C'est logique, hein. Bah, des fois, je la mélange quand j'ai besoin de. Bah, lui, piocher. Il est blessé, donc. Ah, oui, il est blessé, bah, oui, je suis bête. Comme ça résout mais la question. Oui. Sinon, je ne savais pas en fait. J'aurais fait ça. 3. Et puis, si on peut payer comme force, si ouais. On peut payer en mana. Ouais, et du coup, il coûte 2 de mana ou 2 de force. Ouais, mais c'est... Bon, déjà, je vais le faire. Hein. Ouais, je vais le laisser. Pour piocher une carte. Tu peux laisser le moment rapide. Non, non, mais j'y pensais plus en fait. Mmh. Ok. Donc, du coup, je me demandais si je l'avais pas fait. Non, il fallait le faire au moment où il est arrivé. C'est le bilan. Parce que j'ai réfléchi à ce que je faisais. Non, ça fait mieux. Pour l'instant, on peut pas soigner tant qu'elle est, qu'elle est ici. Elle fait quoi, t'es spécial les personnes quand tu la joues, tu sonnes tous tes personnages blessés. Je vais la prendre pour 2. Ok. Je peux rien acheter d'autre. Non, elle coûte trop cher. Attends. Je sais plus si l'effet tu le fais en même temps que tu l'achètes ou pas. Quel effet? Bah, en fait, c'est simple. Que je fais, j'achète et je le fais, l'effet blessé. Ah non, c'est soit tu ouais, à l'attaque, soit tu l'es pas blessé. Donc là, j'ai plus rien fait. Je vais blesser un personnage de moment. Et je le blesse aussi. Un chevalier. Je n'ai pas de chevalier en main. Ah, si on a un chevalier, il est blessé. Ouais. Mais je te déteste en fait. J'en ai que des héros. Hein. Si on a des chevaliers, c'est bon, c'est que j'ai des héros. Je veux bien une blessure, s'il te plaît. Ouais, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est une pile et puis vous mettez juste une goutte de sang. C'est vrai. Ouais, mais c'est quoi, cool. Oui, mais après, il faudra les étendre. Je vais défausser ça. Et puis, il faut toujours prendre ça. Doc. Alors les personnages, c'est les symboles, c'est juste pour les daltoniens, sinon c'est tous les personnages verts, donc c'est ceux de base plus tous les personnages de base. En gros, tous les personnages qu'on a, parce que je sais pas si quelqu'un a acheté de l'argent ou quoi. Non, j'ai que du bronze. Hein. L'argent est un peu cher pour moi pour le moment.
Et du coup, maintenant, on peut re-soigner parce que le perso qui nous empêchait de soigner n'est plus là. Ouais. Et du coup, quand on soigne, on peut l'activer tout de suite à ce moment-là ? Non, il va dans la défausse. Sachant que moi, c'est dès que je l'utilise et que je m'en jette, donc c'est à combattre. Ouais. Ah, c'est ça, c'est rouge, c'est l'un ou l'autre, et bleu, c'est tout. Quand c'est bleu. Pas bleu, c'est oui. Oui. Tu vois ici, rouge, c'est blessé. Ou je blesse, ou je. Ah, d'accord. Alors que là, j'ai mis dès que c'est mis en jeu. C'est ça. En plus du reste. Rouge, ok. Et puis ça, bah, je vais le défausser pour soigner lui. Ok. Déjà pas mal. Un cheval il s'en va. Donc. Ouais. Ils ont joué un autre cheval de l'heure. Tu vois, ça peut aller très vite. Hein. Bah, écoute, on va faire pour 5, je vais taper 8. Et je blesse tous les personnages utilisés pour le combattre qui possèdent du cosmos. Impeccable. Les personnes. Effectivement. Voilà. Donc c'est un tour très restreint, mais qui était bien. Oh, très bien. Ah. Leader. Vaincu. Détruisez un personnage utilisé pour le combattre. Donc là, on va devoir utiliser, gérer quelque chose. Hein. Ouais. Oui, je vais détruire deux yoga. Et pour 3, je vais prendre Meshi du loup. Ok. C'est bon ? Non, bah oui. J'arrive pas à en décaler 4 d'un coup, non, en fait. Alors ici, sur point de mer peut être combattu par au moins 3 personnages. Pour moi, il y a un effet arrivé. Chaque joueur détruit un personnage en main. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai pas fait le fait quand j'ai acheté lui. Je devais défausser une carte de ma main pour le combattre. Ah, bah, tant pis. Je vais le détruire. Donc là, tu détruis un personnage de ta main. Ouais, c'est l'effet. Ouais. Ah, ok, super. Il ne repioche pas. Non, on prend dessus pour dire que c'est tes cartes détruites. Oh oui. C'était qui le premier joueur? C'était toi, Thierry? Oui. Ouais. Alors du coup, retourne ton jeton pour dire que c'était toi le premier joueur parce qu'on joue tous le même nombre de coups. Je sais plus. À la fin du jeu, est-ce qu'on continue plus un tour ou... Ok. C'est toi, moi. Ouais, ça, mais du coup, je vais poser une question. Non, mais ok, c'est ça. Je suis en train de me dire, ça se trouve, j'attends, de toute façon, c'est pas mon tour, mais c'était peut-être mon tour. Non, non, c'est moi qui ai fait. Des fois, c'était pas au confinement. Des fois, non. Je les trouve même pas assez. La fin de une partie là. C'est lorsque la dernière flamme est retirée de l'horloge, je finis le tour de table. De manière à ce que chacun ait joué la même chose. C'est bien intéressant de savoir qui était premier. C'est forcément moi qui gagne. Bah écoute, je vais défoncer ça. Pour augmenter. Et puis, faut rien faire. Ok. Mais en fait, genre, je suis là. Tu peux soigner. Si je vais soigner. Oui. Ok. Non, je suis à ce stade-là. J'ai oublié que je les avais. C'est vrai que j'aurais pu virer. Je peux nettoyer. Oh, un petit bonhomme. Ouais. Daichi à la cloche. Le chevalier d'acier.
Ok. Bon, du coup, on va faire ça. Et en fait, c'est mal aussi, ça. Ouais, il y en a deux là qui sont côte à côte. Et qu'on va pas réussir à faire parce qu'on n'est pas assez fort. Effectivement. Ouais, je pourrais. Mais ils seront plus là quand ça sera mon tour. Tu peux déjà, toi? Tu peux déjà, la vache. Et encore vous éclater. En fait, avec la réduque. Mmh. Oui, avec la réduque, ça coûte que 3 en cosmos, donc ouais, c'est très peu. 5 hein. Ah, il y a le chevalier de cristal, mais je crois que tu parlais des chevaliers d'or. Ah, celui-là, oui, celui-là, il sera 6. Non, je parlais des chevaliers d'or. Hein. Ok. Tac. Et puis avec lui, je vais donner une bonus. Ok. Ouais, bah, t'as guéri tout tes persos. Ouais, les choses sont de faire des piles de 24 heures. Oh, j'ai rien. Nix. Toujours pas moi, Félix. Là, c'est dans le temps du tour. Ouais, mais il faut avoir. Je sais plus qui avec Léa, je crois. Une carte piquée de mon nom. Ça donne 2 points de victoire si vous avez. C'est un combo de cartes à speaker. Je crois qu'il est déjà passé en plus. Ouais, oui, possible. Il est passé. Je vais le dans la main. Du coup, je vais jouer mon armure de dragon. Je vais l'utiliser. Donc, je vais détruire 2 chariots de ma main. Pour prendre un chariot qui vient de ma dépose. Et je soigne mon chariot qui est là. Toc. Voilà. Dépose là. Toc. Donc, on va un chevalier d'or en main. Ouais, encore une fois, à mon moi. Vas-y. Toc. Alors, c'est un effet défaussé, ça va. Sean gagne plus 1 lorsqu'il combat à côté. Donc c'est pour toi celui-là. C'est toutes les cartes Sean gagnent plus 1 lorsqu'il combat à côté de cette carte. Tu la récupères, il est intéressant. Sean. Hein. Ouais. Donc c'est les cartes là. Ah bah c'est là aussi. Oui. Je pensais que c'était Phoenix en fait. Bon, moi je vais acheter ma dame. Et puis il fait quoi? C'est bizarre, il fait une réduction en cosmo, mais il contribue pas en cosmo. Ouais, justement, c'est un soutien. C'est un soutien, ouais. D'accord. Mets tes cartes en dessous. Il n'y a pas un truc. Ah non, c'est vaincu lui. Ouais, c'est vaincu. Ouais. Arrivé. Tous les joueurs déposent leur armure en jeu. Ah, oh, je savais qu'il fallait que j'utilise. Arrivé. J'arrive pas à lire. Chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est bon, j'avais jamais dit ça. Tu te fais. Ah oui, j'ai aussi des gouttes d'avance. Ouais. On les a gardées. Ouais. Ah, j'ai pioché la même. Génial. Pareil. Non, j'en ai viré 4 quand même des cartes de base. J'ai perdu le fil, c'est retiré. Non, je ne savais plus. Il te coûte que 2. Si je combat avec Phoenix. Au moins un Phoenix. C'est ça? Non. C'est. Toi, tu es qui en fait donc, Faut peut-être comme une carte Iki. Donc, je vais le blesser. Vous blessez tous un de vos chevaliers dans votre main. Un chevalier. Ouais. J'avais mon 3 de cosmos, et je veux bien une goutte de sang, du coup, j'en ai plus. Je suis vraiment dégueu, je pouvais le chercher.
Alors que je commence à guérir tout ça. On va aller chercher peut-être une bonne carte. Peut-être celle-là, du coup, parce qu'elle arrive à celle-là. Je commence à guérir tout ça. Mais... Oui, il va blesser un chevalier d'argent, quoi. C'est le chevalier que j'avais en main. J'aurais mieux fait de guérir que tout le monde. Je fais 2. Ouais, je suis 3. Là, je vais pour 2 de celui-là. Ouais. Ouais. Parce que j'ai le droit. Et pour 3, je vais prendre celui-là. Et en plus, je peux soigner un de mes personnages. Tous tes personnages ? Je vais soigner un de mes personnages. Je la voyais plus forte que ça. Ouais. Donc. Comment ça court vite? Oui. Arrivé. Chaque joueur détruit un personnage en main. Ah, ça peut être long. Oui. Mais il n'y aura plus rien. Ah, mais du coup, après, je peux. Un personnage, hein, c'est oui, pareil. Un personnage. Pour les piliers, si t'avais pas de personnage, c'est forcément une carte verte, un personnage. Non, c'est non, un personnage. Ça peut être vert, orange. Ça pourrait détruire. T'imagines, t'as 5 armures dans la main. Ouais, non. C'est tout à fait fantastique avec ces conneries là. 5 armures. Ça, au bout d'un moment, ça peut limiter. Ok, bah, je fais rien, juste je soigne. Bah, c'est déjà bien. Ça sert à rien. Ouais. Okay. Je crois que mon tour va être sensiblement pareil. Je vais prendre la prochaine carte. Bah là, déjà, avec 4 cartes en main, c'est compliqué. Nous, on en avait 3. Disons, je vais mélanger les cartes de votre défense avec votre pioche. Et si je gagne plus 1, on va à côté de. Ça, c'est le même effet que toi tout à l'heure. Du coup, je vais copier Claire. Mais que tu m'as empêché d'acheter. Bah, je pourrais faire un truc. Mais le fait d'avoir. Je sais, c'est pour ça que je l'ai pris tout de suite. Et moi, j'aurais pu acheter celui-là si tu m'avais pas blessé mon perso. Ah moi, oui. S'il restait, je pourrais l'acheter. Il reviendra, il reviendra. Et là, en l'état, à moins que. Ouais, bah non. Mise en jeu. Échanger les positions de 2 cartes présentes sur le terrain. Mais c'est mise en jeu, c'est pas là. Ouais, ouais. C'est juste là. Bon, je pose mon armure et je vais faire lui. Je vais piquer un chevalier noir dans une défausse. J'ai plus de défausse. J'en ai pas non plus. Tu sais que t'es un chevalier noir. Bah oui, bien sûr. Ah bah voilà. Tiens, c'est cadeau, ça me fait plaisir. La pauvre, elle subite depuis tout à l'heure. Oui. Bon, j'ai dit, voilà. Je change d'avis niveau interaction. On garde pas les cartes qu'on joue pas en main. Non. Non. Ouais, c'est ce qui me semble. C'était à moi. Je vais jouer. Allez. Au revoir. Arriver, retirer un de l'horloge. Ah, oh, ça va plus vite. Donc, je vais jouer ça. Je vais enlever ça. Ouais. Il me faut ça. Pour mettre ça. Je vais prendre mon paquet de cartes. J'ai plus que 4. Et je fais ça, je la mets en jeu, mais je souhaite juste un des personnages. Déjà pas. Tac. Arrivé. Le joueur détruit un de ses personnages blessés. J'en ai plus. Ah, mais pour le coup, j'aurais pas bien fait de bon, soigner. Ok, bordel. Après, le truc, c'est ceux-là, si tu les détruis, tu peux plus prendre celle-là. Ouais, ouais bah c'est ça qui est. Je suis m'en trouver. Pour le caca, quoi. Pour soigner tes persos, qui aille, hein. Plutôt que piquer les chevaliers des autres. D'ailleurs, je crois bien. J'en ai combien de détruits? 2, 3, 4. Détruit pas même si. Moi aussi. On en avait 10 au début. Hein. Ouais, on en avait 9. Ça, tu manges 3. Ah, tu vois là, ça saute plus. Ouais. Tu le vois là, là. Ouais, je le vois, je le vois. Ça tourne au kill. Il y a un sacré tampon. C'est quoi les cartes de la réserve? C'est là. Piochez une carte de la réserve, puis l'ajouter à votre défausse. Ouais. C'est-à-dire que tu gagnes une carte en plus? Ouais, c'est ça, tu gagnes une carte d'ici. Une pioche. C'est qui tout debout. Ça peut être très bien, ça peut être nul. Oui. Mais bon,
Il y a des cartes négatives. Hein. Il y en a pas beaucoup. Il y a des cartes à moins 2, je crois. C'est vraiment pas de bol. Vous oubliez pas qu'avec vos cartes, si vous avez des effets particuliers. Oui, mais moi c'est blesser des personnages pour donc pour l'instant. Oui, bah, sais, moi je crois que j'ai le pire de tous. Hein. Ouais, moi j'ai bien, mais il faut que l'occasion se présente. Mais moi, je peux pas ne pas jouer. Okay. J'en ai tellement déjà. Non, mais moi je tente ma chance, moi. Moi je mets tout là-bas. Les 4. Alors là, je suis désolé, je joue une carte. Hein. Vas-y. Non, je déconne. Comme ça. De façon, voilà. Arrête de rajouter des règles en fait. Je fais peur. Tu récupères et tu prends la première carte de la pièce. Je vous la montre. Ouais. Si dans ma défaut, vous allez avoir. Ah, c'est cool. C'est... Ah, non, c'est retiré une flamme de l'horloge, donc c'est très bien que c'est très bien que tu l'apprêtes, comme ça on l'enlève pas. C'est Arachné de la Tarentule. Non. C'est arrivé, je vois. Non, c'est vaincu. Vaincu, vos adversaires défoncent toute leur armure en main. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, c'est bien ça. Bon, je fais rien. Bon, tant pis. On pourrait pas l'avoir. Il sera parti avant. Bah, du coup, je fais 1, 2, 3. Et du coup, je écoute moi, ouais. Et je la mets directement dans ma main dans ta main. Parce que je t'ai acheté un cosmos. C'est ça. Et puis après, mais... je fais rien de plus. Voilà. Quoi? C'est juste défoncé. Et là, c'est pour Shen. C'est le même que tout à l'heure, que tu pouvais acheter. C'est quoi les cartes pour Chirlu là? Pas le droit là-dedans. C'est à moi. Je détruis de yoga et je défausse l'armure du cygne. Et puis. Ok. L'école qui coûte 3. Il n'y a rien. Ok. Super. Chaque adversaire détruit son armure, voilà. Puis... J'en étais sûr. Ah, il y en avait une en vue, je crois qu'il n'y en avait pas en vue. C'est détruit en plus. Non, chaque adversaire défausse son armure. C'est pas possible de détruire les armures. Enfin, dans la version standard du marque. Mais c'est dit, c'est bien quand même. Et puis mes deux autres cartes, ben, elles ne servent à rien. Parce qu'il y a un que je peux acheter. Ah, c'est dommage, c'est celui que je voulais, mais bon. Ouais. Ça craint. Django, c'est celui qui pique le chevalier noir. Il est revenu. C'est clair, le proie, il va pouvoir se brancher sur Thierry. Bah, il faut que j'en ai un dans les défauts des chevaliers noirs. De toute façon, c'est pas le cas. 6 quand même, ici. Désolé, il est ouais, je vais prendre 2, 4, 6. Donc, c'est vaincu, c'est ça? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des armures en main? Non, pas d'armure. Non. Non. C'était pas le but, c'était le point de cosmos surtout. Et je ne peux pas jouer l'autre. Donc, ah, j'ai une armure. Alors, c'est l'armure du Capricorne. Toutes les cartes présentes sur le terrain, retirées du terrain, compléter le terrain. En gros, c'est pour amener plus vite les chevaliers d'or, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Et ça, ça tourne, hein. Non. Joli. Des chevaliers noirs. Oui. Ah là, c'est le premier, c'est yoga. C'est toi.
Tu payes moins cher celui-là. Ah, il coûte. Donc, du coup, il coûte règle 2. Ok. Coûte 2 et règle 2 si c'est toi qui l'attaque. Pratique les chevaliers, là. Oui, oui. Je suis bien d'accord. Surtout quand tu. Ah, il est revenu. Ouais. Ah oui, c'est... Ok. Je vais déjà faire ça, je blesse un Chiryu de ma main et je pioche une carte. Ok, ça change rien. 2 et 3, 5. Ouais. Toi, tu veux faire avancer le plus vite possible le jeu. Bon, forcément, ça donne 2 en cosmos. Et... c'est ça. Mais non, j'arrive pas à faire aussi, j'ai encore ça. Si, parce que je peux la jouer directement. Oui. Ouais, je la joue, je l'active pas. Ok. Et là, je peux rien faire avec ces cartes là. Si, je peux faire quelque chose. Je vais saigner mon chariot. Toc. Et voilà, je m'arrête là. Reste en jeu. Est-ce que tu prends le deuxième Django? Soit ça, soit tu l'as aussi. Hein. Bon, les deux. Alors, attends. Alors, ça, c'est blessé. Pour deux, je prends le Django. Il a eu le gêne avec ton arme. Je gêne. Et puis après, c'est trop. C'est 3 celui-là. Ah non. Si. Si. Ah non, c'est trop. Oh là, pardon. Tu confonds tu là. Il y a du coup. Ouais, non, ça marchera pas. Ah non, il n'y a que si je peux passer. Ah non, je peux pas parce que lui, il n'y arrive pas. C'est pas que je guérirai rien. Ouais, si. Ah, bah si, bon, puis, défausse lui pour piquer un chevalier noir si on a un dans une défausse. J'ai pas de défausse. J'ai pas de défausse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un chevalier noir encore? Dans ta défausse, ouais. Non, non, mais je crois pas. Non. Bon, voilà. De toute façon, j'ai prévu plus un point. Par contre, j'ai gagné rien du tout. 8. Hein. Il est loin de les avoir, hein. Il est 19. Hein. Bah déjà, moi j'ai vu ça. Mmh. Ouais, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a des cartes de départ qui permettent de gagner. Il y en a d'autres, il y a Athéna par exemple. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. 4, 5. Et puis celui-là. Mm-hmm. Donc vous défoncez tous une armure en main. Une armure en main ? Les armures en main. Ok. Comme si j'en avais plusieurs. Moi ouais, j'en avais plusieurs, mais il y en a une qui était déjà en jeu. Et chaque adversaire met son chevalier dans sa main. Chevalier, ouais. Ça c'est pas cool. Mais je vais pas m'en sortir. Il y a Seb le casse-pied. Sans déconner, c'est nouveau. Pardon, tu l'as aussi. Tous les pardon. Joueurs défaussent leur armure en jeu. Ça me dérange pas. Non, mais c'est fini, oui. Mais il y avait ça arrivé, on l'avait fait. Non. Chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. Ah. Ouais, j'avais pas de défausse donc. J'en avais pas non plus. Oui, si j'en avais. Moi, je viens de la mettre, hein, donc. J'en avais pas. Donc ça ne change rien. J'avais pas vu qu'il y avait la Danak. Moi, je vois pas c'est trop loin des trucs arrivés. Thierry en blanc. Non.
C'est compliqué, tu l'as, j'ai pas l'impôt. J'ai pas assez de cosmos. J'essaie d'en avoir en achetant les gros trucs, mais à deux, mais. Ouais, mes cartes avec du cosmos, elles finissent blessées à chaque fois. Voilà. En China? Ok. Ah, taureau, non. Même plus 2 attaques, car c'est combat la première carte du terrain. Et là, c'est d'autres rates, il n'y a pas d'effet pour moi. On va tenter quoi? La 4, c'est pas sûr que je l'ai. Hein. Alors, j'ai quoi? J'ai ça dans la défausse. 4, c'est bien? Ouais. Comment ça, t'es pas sûr de jouer? Parce que je peux piocher une carte. Hein, donc, ah, vu qu'il faut mettre les chevaliers avant. Oui, mais c'est ça. T'es pas obligé. Il faut que tu mettes les cartes là. Parce que si tu pioches une carte et que t'as pas celle qu'il faut, tu défausses celle-là parce que t'as pas vaincu, quoi. C'est pour ça qu'il faut les mettre en ligne. D'accord. Chose qu'on n'avait pas fait la première fois qu'on a joué. Allez, je tente. Je me mets ici. Je blesse un chevalier de ma main pour piocher une carte. Bon, c'est ça. Bon, ben ça c'est perdu. Et pour deux, je vais prendre celui-là. Rappelle-moi ce qu'il fait. Non, non, pas pour l'acheter. Tu peux le détruire pour réduire le coût d'un chevalier de deux. C'est cool. Bah, détruire par contre, c'est one shot. Hein. C'est... Oui, bah oui, mais non, justement, ouais, ça ouais. Pollue pas le 4. Hein. Trouve pas rentable, mais ça peut. C'est ça. Quoi? Ok, je vais commencer par guérir les deux là. Il y a ton micro. Ouais, oui. Et pour deux, ben, je vais prendre. Qui c'est dit? Je regarde ce petit. Ça, je crois qu'il prend un trio de chevalier d'acier, il va faire des combos dans ça. Donc. Un autre chevalier ne peut être acquis qu'il est en jeu. T'es obligé de taper lui. Mmh, si je pouvais pas en taper beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Bon. Oh, il y avait un truc pour moi. Bah tant pis. T'as pris la balance. Oh oui, c'est le seul. Bah écoute, je vais mettre ça, donc je guéris un de mes personnages. Ouais. Bah, je peux rien faire avec ce que j'ai en main. Ah, j'ai figue de garde. J'ai pu faire ça. J'étais obligé de toute façon de la prendre. Hein. Pour faire une perle. Tac. Pas d'effet arrivé en jeu. Je fais ce saut avant tout, j'aurais pu récupérer un chevalier d'or. Je te mets moins un. Il manque. Ce serait assez très chouette. Ah oui, si, je crois que c'est plus. Ah non, c'était avec du cosmos. Hein. J'avais 5 en cosmos. J'avais que 3. Et je pouvais pas le taper. Ah non, il m'en manquait. Moi, je vais galérer un peu à acheter les cartes. Bah moi j'avais pas le choix là, du coup là. Et ben avec ça, je vais donner la limite. Après.
Pas mal. Tuc, flamme. Et on a la moitié. Bon. Ah, une armure. L'armure du scorpion. Et l'armure du scorpion. Alors, détruire un personnage blessé, Calvin. Vu que j'ai 5 en cosmos, mais si le personnage est au final, il pioche autant de petites cartes que de personnages blessés. Elle est un peu violente celle-là quand même. Hein. Mais sinon, tu détruis un personnage blessé. Ça, ça peut être pas mal. Détruire un personnage. Ouais, ça peut être très bien. On va faire d'autres. 3-5. En fait, tu vas pas la jouer. Là, tu peux pas pour l'instant, puisque tu l'as déjà joué. Non, je l'ai acquis avec du cosmos. Oui, mais tu peux pas la jouer tant qu'elle est sur le terrain, celle-là. Ouais. Bah, tu peux pas avoir deux armures en même temps sur le terrain. Ah, mais elle est plus sur le terrain, là. Bah, là, elle est toujours. Là. Tu penses? Ah, ouais. Pour moi, quand on est pas fini. Ouais, pour moi, c'est tu peux pas, tu peux pas en stocker deux. Bah moi j'aurais dû parler. Je vais vérifier, je peux me tromper, hein. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais. C'est où ça, je sais pas. Celle-ci n'est pas défaussée en contour. C'est toi de. Du coup, ça dépend, ça change de ce que je vais jouer après. Oui. Oui, mais tu le fais qu'une seule fois. Oui. Parce que c'est un effet détruire, donc. C'est vrai. Si peu de il a qu'un seul chevalier en main, ben c'est. C'est un chevalier d'or. Ouais. On se fait beaucoup de si. C'est pas dit. Marqué à votre tour de jeu, vous pouvez jouer qu'une seule armure à la fois. Ou une nouvelle armure fait défausser celle déjà jouée. Ouais, donc c'est joué devant toi pour moi. Après, quand tu l'utilises pour qu'il y ait un. Là, elle est utilisée, donc on va faire comme ça. Merci. Tu fais quoi ton truc qui est blessé, toi? Je peux le défausser, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Ben, je vais jouer ça et je vais la défausser et tu détruis ton personnage. Il est un peu gaspillé. Il est un peu gaspillé ton personnage. Le pauvre, il galère à acheter. Non, mais moi j'ai plein d'armure donc elle m'intéresse pas sa carte. Ensuite, je vais jouer celle-ci. Et je vais utiliser mes deux soins pour soigner mes deux persos-là. Pas que j'ai le personnage blessé, parce que ça peut faire mal. Toc. Et je récupère. C'est le carton. Là, ça dégage. Tuc. Moi, j'aime pas les personnages agressifs. Ah, mais c'est pas. Mais c'est tous les personnages. Ne précisant pas. Ah, s'il y a un cosmos, il n'est pas blessé. Ouais. Ouais, mais bon. Oh, si ça passe. Sinon, ah oui, 3 cosmos, ouais, bon. 1 plus 1. Donc, comme ils combattent ensemble, je piocherai une carte. Tu peux tout de suite piocher une carte. Ouais, et du coup, tu peux utiliser ta carte tout de suite si elle t'intéresse. ouais. De toute façon, si. Ah oui, non, il n'a pas de cosmos, il faut qu'il ait du cosmos. Pas loin. Il faut qu'il ait du cosmos, puis de toute façon, si je vais l'avoir. Ouais, j'en ai retiré que ça. Donc, tout le monde a du cosmos, personne ne sera blessé, et puis ben, les autres, genre, pas bon. Du coup, je prends plus facilement sur les cartes que j'ai. Ah oui, t'aurais pu les utiliser pour soigner, peut-être. Mais, non, j'ai plus rien blessé, donc j'ai plus rien blessé. Et puis, je vais prendre chaud à la clove céleste, parce que j'ai rien de. Tu le mets dans ta main, tu peux l'utiliser tout de suite. Bah non. Ah, j'ai cru que tu l'avais acheté avec des cosmos. Non. Ok, un peu j'ai rien dit. Voilà. Tac. Trop bonne carte, ça m'arrangerait. Arrivé le joueur actif.
Alors, c'est qui le joueur actif? Est-ce que c'est Thierry ou est-ce que c'est toi? Ça dépend quand on remplit. Oh, lui, c'est un méchant. Oui, c'est un méchant. Mec. C'est la phase d'entretien du joueur. Donc, c'est Thierry. C'est Thierry. Qu'est-ce que tu le places dans la défausse de quelqu'un. Et du coup, ça veut dire que ça sera pas. Ah, il donne moins un point. Ouais. C'est qui sort le mieux là? Faut encore qu'il le batte en premier. je peux pas avoir de perso pour punaise. Bon allez Seb, j'ai l'impression que t'es plutôt pas mal placé. Pas mal placé? J'ai que des persos comme ça. Il a pas le droit de taper autre chose. Ouais, ça me fout tout le tour en ligne, quoi. J'ai déjà un peu. Oh, bah, je suis obligé de le vendre. Ouais. Et là, je peux rien faire d'autre parce que je. Voilà. C'est une armure. Donnez tous les chevaliers blessés. Oh, c'est trop bien. Moi, je vais mettre une armure et je vais la dépousser tout de suite pour détruire ça et comme ça. Mm-hmm. Voilà, on est soir. Là, on va faire ça. Là. En même temps, elle était violente cette arme. Voilà. Ah, bah, tu choisis quelqu'un qui a avec personne. Je fais une diversion. Quand il est vaincu. On blesse quoi? On le blesse lui. Ouais. Et Yoga peut l'acquérir avec du cosmos. Il n'y a que lui. Et il coûte très vite en cosmos du coup. Ouais. Oui, mais le truc c'est qu'il est blessé automatiquement. C'est qui Yoga? C'est moi. C'est moi. Pardon, c'est Andromeda. C'est pas moi. Du coup. On joue à la roulette. Hein. Et on tente. Je tente d'acquérir l'armure, donc je baisse un chevalier de ma main, toc, pour piocher le quart. Putain. Ça passe pas. Bon bah lui il est perdu. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Lui, il va récupérer une carte détruite, donc c'est cool. Puis c'est le dernier, hein. Les deux sont déjà basés. Il n'y a que moi qui ai des personnages blessés. Oui. Cool. En même temps, tu les blesses tout seul. Déjà, du coup, je vais soigner le mien. Hein. J'ai envie d'avoir des personnages blessés. Ouais, bah, je crois que je fais pas grand chose. Lui, je ne peux pas, il faut au moins 3 personnages, j'en ai pas 3. Voilà. Ouais, j'arrive pas à l'intercer. Quand même. Qui servait à rien. Mais il a tenté un truc. Ouais, ouais. Mais il a mal tenté. Je vais déjà prendre le signe noir. Comme il a moins 2. Ouais. Et puis.
payer en fait les cartes Invent et les caisses Commos. Du coup, j'ai pas assez pour acheter autre chose. Mais je peux. Est-ce que quelqu'un a un chevalier noir dans son défaut? Non. Non. Ouais, voilà, j'aurais tenté. Hop, ça m'arrange que tu la joues à dedans. Il avait un chevalier noir. Moi, tu sais, j'en ai deux, ça peut vite revenir. En remède, donc là, tu coûtes moins deux pour toi. Ouais, non, mais j'ai pas un chevalier noir, moi. Je l'achète pour qu'il aucun de vous deux le récupère. Toi, tu t'as pris une carte comme ça. Non, j'ai les deux. Ah, t'as les deux. Ouais, bah non, en fait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Salut Jade. Bah écoute, ça va bien, hein. On poutre. Il fait quoi là, hein? Il y a celle qui s'amuse à blesser les chevaliers des autres. Il y a Thierry qui pique les chevaliers des autres. Et moi je sers à rien. Moi je pique les armures, moi. C'est... Je vais te chier. Quelle surprise. Il la récupère dans la main puisqu'il s'est fait 3. Ouais. Chaque adversaire défausse un héros de sa main. Ah, bon, ouais. Les héros, c'est pas les chevaliers. Hein. C'est les cristaux. Ah, bah, c'est ce qui est écrit. C'est héros. Non, je n'en okay, ai pas. Ça va pas. Okay. C'est le truc de départ. Bah, c'est le truc de départ ou les trucs vert, quoi. Ouais. Et chaque adversaire blesse un chevalier de sa main. En fait, ça me fait un peu moins. Et je peux rien faire d'autre. Oui, à part embêter ton monde. Non, ouais. Et si tu veux qu'on joue pas, c'est... Oh. Alors, c'est dans la même équipe que dans l'animé. Non, il y a le chien de service. En plus. Je me rappelle qu'il joue solo, Benito. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 cartes? Pas grand chose. C'est un peu ça l'idée. Normalement, on est censé avoir 5 cartes et celle nous fait passer à 3 cartes. Non, moi je suis à 4. C'est une chose. Oui, tu en veux. Je suis à 5. Et pas Victor Crosby. Et tu l'as re-soigné ton personnage qui nous a fait blesser un personnage? Ah merde, c'est vrai qu'il peut l'enlever. Ah. Ouais, j'oublie toujours. Voilà. Non mais tu le fais bien. Ah oui. Parce que j'y pense pas. Ça suffit comme ça. Hein. Tu m'attends qu'il le fait souvent. Ah oui. Non, je l'ai toujours blessé. Oui, il l'a toujours blessé. Bon, lui il va soigner lui. Mais il va pouvoir me le détruire dans 2 minutes. Oh bah il y a de fortes chances. Hein. Bon, ça m'énerve celui-là. Lui il va prendre ça et puis lui ça. Ok. L'arrivée s'en va. Est-ce qu'on les fait arriver? Non. Non, c'est les fait arriver. Déjà, je vais soigner mon cher Luc qui est blessé. Hein. Parce que je sais pas qui l'a blessé. Un relou. Tu te souviens pas? Il y a des relous ici. Je... pour 3 cosmos, je vais... Lui. Le relou qui prend la même carte, hein, ça rappelle. Oui. Oui, bah je sais, je viens de l'avoir, je me suis dit, oh. Du coup, je le joue et je le blesse. Comme ça, vous blessez chacun un chevalier de votre main. Mais vous en avez pas marre, en fait. Là. Le relou, c'est chacun pour soi. je dépose mon armure, je ne veux pas l'utiliser. Et c'est pour mettre cette armure-là à la place. Et je vais la défausser pour détruire ce personnage-là qui me casse les pieds. Ah oui, il te casse vachement les pieds puisque t'as le même. Hein. Oui, bah justement, je préfère que ce soit moi. Il remonte la carte du bout, là. Hop, ça dégage. C'est vrai que j'aime bien pouvoir acheter. Vas-y, il y en a deux, là. Ça va. Wow. Il n'y a rien au cosmos, quoi. C'est encore du cosmos que j'ai plus. On pose l'armure. Il y a quoi qui coûte 2? Mais j'achète que des cartes à 2 aussi. Ah oui, mais elle me plaît bien. Voilà, un deux. Hop, d'accord.
Vous n'êtes pas toi, Andromède? Ah, vous pas cette série ici. Ah, puis. J'ai pas assez pour l'acheter avec une connerie. Ben alors, faites voir vos défauts, parce que quelqu'un a un chevalier noir dans ses défauts. C'est un peu chacun pour sa pomme, hein, j'adore. Est-ce que quelqu'un a un chevalier noir dans ses défauts? Non, j'ai pas de défauts. De toute façon, il sert qu'à ça. J'ai pas de chevalier noir. Avec un roi cassin, je crois que tu peux avoir une flamme bleue. Oui, mais il n'y a rien qui coûte. Il n'y a pas une carte avec du bleu, et puis un seul, c'est un peu léger. Quoi. Ah, il y a enfin la carte à moi qui est sortie. C'est un chevalier noir, moi je veux pas acheter de chevalier noir. Hein. Sûr, là. L'armure de la guerre, je... Ah, c'est pas mal, celle-là. J'aime bien. Oh, sérieux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Je peux pas montrer, mais... T'as que du cosmos et il y a aucune carte qui demande du cosmos. Moi, c'est encore plus drôle. J'aurais des cartes qui seraient bien si elles sortaient ensemble, mais ça n'arrive jamais. À tout temps de décaler à l'armure. Joli. Donc ça, je récupère, je soigne celui-là. Ouais. Parce que c'est l'effet de ça bien. Oui. C'est pas bon. Je ne peux rien faire d'autre. L'armure, tu la récupères directement, donc si tu peux la jouer. Ah bah, je vais la jouer tout de suite. Et j'ai rien d'autre. Ok. Une femme qui s'en va. Chevalier d'or. C'est ça qui manquait. Deux cartes. Ouais. L'autre il me pollue ma main là. Attends. Et qu'est-ce que aussi c'est le chevalier d'or? C'est quoi lui? Quand il arrive en jeu, un adversaire défausse une carte de sa main. Ah oui. Robotez-moi, ça me dérangera pas la torsilo. L'ambiance délétère, c'est bien chacun pour sa pomme. Où est-ce que tu as entendu qu'il y avait une ambiance délétère? Il n'y a pas d'ambiance délétère ici. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais ils foutent la merde tout le temps. Hein, Flo? Ouais, ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. L'hôpital, ils ont la gérer. Hein, quoi, qui a dit ça? Bon, allez, lui, il va soigner lui. Tac. T'as récupéré un peu du flip. Et puis, je vais prendre des cheveux vivants, il n'y a juste pas moyen. Je vais prendre mon saut. Elle dit ça sent l'amour et l'entraide de si loin. Bah non, Bobby ne sera parti. Et Aphrodite. En fait, on fait en sorte que les joueurs. On s'assure que les autres ne s'ennuient pas. Exactement. Ouais. Ouais, je sens que ça va pas trop passer, donc on va pas trop jouer le vice. C'est les poissons. De quoi? C'est les poissons. Ouais. Non, moi c'était plus celui que je voulais tenter en cosmos, mais je sens que ça passera pas. Ça dépend de la carte que je pioche. J'ai réussi à acheter un chevalier d'argent. Ça dépend des deux cartes. Tout le reste, je n'ai presque rien, hein. Je te rassure. Hein. Et je commence à avoir un. J'ai un chevalier d'argent. Hein. Non, je vais pas. Ah, mais comme d'autres. Sauf que mon est pourri, mon deck aussi. Donc, Je blesse un chevalier de ma main pour piocher une carte. Ouais, si j'arrive à avoir un yoga avec un autre yoga, je peux piocher. Ça arrive qu'une fois. Ah, ça peut être sympa.
Écoute, de toute façon, autant que je joue et que je le défausse, je retiens un personnage présent sur le terrain et je révèle la première carte de la pioche à la place. Elle dit qu'elle récupère vraiment très doucement du fil, puis il est recouché à 3h, il est à 16h30. Mais quelle idée de se coucher à 3h aussi. Quelle idée de se lever à 16h30 du matin. On Du coup, ça partirait enlève celle-là. une flamme. Ouais, ça Ouais, ça enlève. enlève. Ah oui. Et sinon, je ne signe pas. du coup, il y a une autre carte qui vient à la place. Ouais, je peux pas non plus celle-là. Ah, c'est celle qui t'a permis de chercher une carte supplémentaire. Je vais jouer celle-là. Ça fait deux, comme ça je peux éclairer celle-là et la mettre dans ma main. Elle fait quoi, sinon? Celle-là, elle donne plus 1 en attaque pour chaque héros combattant à ses côtés. Ah oui. Coup, je suis à. Ah, si, je peux. Bah, allez, on y va. Je fais 1, 2, 3 parce qu'il y a un héros à ses côtés. Et je détruis Cassios pour réduire son coût de 2. Elle dit qu'elle n'y peut rien et qu'elle avait un rendez-vous pro hier soir. Du coup, je. J'ai vaincu lui et du coup je pioche une carte de la réserve que j'ajoute dans la défense. L'armure. L'armure d'or de la balance. Oh là là là. C'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu me gagnes une carte. Fait quoi l'armure? La défausse avec un personnage de moment et tout merci. Elle permet plein de. Ok, alors attends. Ah, arrivé. Tous les joueurs piochent une carte, puis soignent tous leurs personnages blessés. Ah bah, je suis sérieux. Sérieux? Mais c'est trop bien. Bah oui. Jamais deux personnes. Et on pioche une carte. Ouais. C'est Athéna, c'est son effet. Ouais. Du coup, c'est à moi. Et... Jade, tu viens, il y a Ah! la place pour un cinquième joueur. Aucun personnage ne peut être. Ah non, Ah, t'es soigné. ne peut être soigné, mais vu qu'elle est arrivée avant, on peut Ouais. Ah oui. Ah oui. Non mais. Je retrouve ça cool, sinon j'avais pas fait un Je prends le dragon noir. 4. Puis, ouais, pas rien à soigner en fait. survol. Je peux acheter à la quoi là? Donc, mise en jeu, c'est quand on veut. Ouais. Bah écoute, 1, 2, 3. Ça peut servir. Et puis, est-ce que quelqu'un a un cheval noir dans une défense? On sait Pas de jamais. défaut. Troisième tour d'affilée que je veux. Non. J'ai que des armures d'or chez lui. Je sais pas. D'ici 5 heures, t'as encore Moi, je serais un défaut debout. Enfin, elles tournent ensemble. C'est pas trop grave. Par groupe de 5 cartes détruites. ouais. Un personnage et un jeu quand même plutôt en intake. C'est pas mal. Alors, je vais jouer Jean-Claude là. ouais. Pour faire laquelle? La zone là. Ok. On en met une autre à sa place. Ah, le chevalier des flammes. Il est bien, lui. Je vais. Il peut Ah oui, mais si je le mets en jeu, je peux le jouer pour le reste aussi, c'est en bleu, donc. Ah, c'est intéressant, ça. J'ai défaussé ça pour piocher deux cartes. Ouais. On peut savoir peut-être que par le cosmos. Mais c'est quoi un point de vie par groupe de 10 cartes dans votre jeu? Ouais. Elle soigne bien, elle soigne deux cartes. Oh, il y a une carte aussi. Je vais occuper de la.
Là, je vais mettre en jeu. Ouais. J'ai trouvé un personnage de ma défi, je peux une carte. Oui, ça fait plaisir de le détruire. Ouais. Ouais, mais toi, c'est un personnage. C'est forcément un chéri que je vais blesser. comme ça. Okay. Je mets quelques noms. Vas-y. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux faire l'armure que tu peux jouer directement. Tu fais notamment. Je vais la remettre directement parce que j'en ai oui. pas. Je l'ai défaussé. Bon. Et 2, 4. J'ai deux belles cartes là. J'ai jamais autant de cartes. C'est parce que j'ai pioché plein de cartes. Allez, let's go, j'arrive d'ici et vous m'entendez. Mais tant que tu veux. Moi, je chevalier noir. J'ai un petit souci, mais j'ai trop d'armure en main. Je pense que t'as déjà le bah, j'en ai deux, moi. Bah, des heures, hein, je sais pas. Des quoi? Des armures d'or, j'en ai deux. Là, j'ai trois armures en main, ça fait trop. Ah. Je peux pas les jouer toutes en même temps. Ouais, moi, je vais utiliser celle-là et la dépousser avec. Ah, qui s'est détruit comme ça. Jamais trop tard. Hein. On a défoncé, il y en a 30 ouais. Oui. Ah, j'ai pas vu. Puis voilà, génial, on est trop content. Donc, plus que deux flammes. Ça sent un soin. Ah, il m'a remis au discours. Du corset, pardon. Ah, le grand pop. Attends, à l'arrivée. Le pop et tous les chevaliers d'or retirés du jeu sont mélangés dans la réserve. C'est tout, juste les chevaliers d'or, c'est ça. Ouais. Ils viennent là-dedans? Oui. Ouais, c'est pour être sûr que la partie se termine. Donc il y a une deuxième chance de les racheter. Voilà. Mais ça va aussi accélérer la fin du jeu. Oui. Bah oui. Et après il va dire tout le monde non, parce qu'il peut pas être racheté. Voilà. Non, il allait dedans aussi. Ah oui, il est mélangé aussi. Parfait. En plus, par contre... on ne remplace pas. Donc on ne remplace pas. Donc on remplace pas. Vu que c'est ça, ça, la mise en place qui. La mise en place ouais. Ouais. Oui, forcément. Yoga. Et toi, Yoga mmh. Oui. Tu peux la carrer avec du cosmos. Jamais dit ça. T'aimes bien cette blague. Allez, je vais encore récupérer ma main. Je la défausse et je détruis deux chevilles de ma main. Un, deux. Prends un autre chevalier. Tac. C'est toi qui vas gagner, t'as plus de trucs. C'est bien possible. Moi, ça propose beaucoup mieux que je croyais. Pas tant de choses que ça, moi. J'ai beaucoup de chevaliers de bronze, hein, donc c'est des trucs qui valent que là. Je vais jouer celle-là, je la défausse, on vire toutes les cartes bronze. Et on recomplète. Oh non, il y en a une que je voulais accélérer à la fin du jeu. Non, bah écoute, il y en a une que je voulais. Ah, Athéna, on pioche plus une carte. Et on sait tous nos personnages blessés. Ah, bah chouette, ça c'est une bonne idée. J'ai jamais eu autant de cosmos dans la main. Ah, ouais, j'en ai pas aussi du cosmos, du coup, je suis en train de. J'ai mis 3 cartes de votre pioche, un adversaire blessé. C'est un adversaire éligible, puis le plus grand dans les deux cas. Ça peut être cool. J'hésite entre ça et Athéna. Non, je vais prendre un. Pour 5.
5, je vais faire celle-là. Du coup, je vais la jouer. Est-ce que je vais l'activer? Non, je ne vais pas l'activer, je pourrais rien faire sur tout ça. C'est bon. Toc. Bon, on va avancer. Intéressant, s'en va. Tiens. Je dis que j'ai trop d'armes, je reprends des armes. Elle n'a même pas un seul point à faire. Si, elle rapporte un point de victoire par groupe de 10 cartes dans ton jeu. Mmh. On a avoir acheté un, quoi. C'est plus. Il faut acheter plein de cartes, oui. Oui, c'est le moment. J'ai 5 en cosmos, il a fallu qu'ils prennent l'armure. Bah, tu peux prendre Athéna, elle est à 4. Ouais, elle devrait me donner un point. Si tu vois un point, hein. Ou alors t'as 4 en force, ça te rapporte 2 points. Tu veux passer à 2 points parce que tu vas avoir 20 cartes au total. Okay. Tant pis en force. Ah bah tant que tu peux terrasser un chevalier d'or, c'est bien. Bah oui, si t'as beaucoup lui. Vaincu, blessé, calme, sauve. Ah oui, il a 20 points de plus. Des cartes de rue, mais c'est un peu ce qu'elles se détruisent. Ça n'arrive jamais. Ouais. Donc quoi que Camille du Verso, Yoga peut acquérir Camille du Verso. Ah oui. Je l'ai pas assez. Oui, en plus il coûterait 7, donc il coûterait une grande chaîne. Quel bazar. Ah quoi que, attends, donc je pourrais l'avoir pour 7 acquisitions. Ouais, non, je sais pas, toujours pas assez. Ouais, non, bah, je vais prendre le Discord. T'as vu, c'est ça. Largement. Parce que j'ai elle qui a 1. Ouais. Et quand elle est avec elle, elle gagne plus 1 elle aussi, donc ça fait 4. J'avais calculé le truc là depuis c'est le début. Mal, ouais. C'est la première fois que ça tombe enfin ensemble. 5, 6, 7. Ah oui, non, j'avais l'un, j'avais plus 3. On récupère, ça enlève une flamme. Voilà. Et lui, il s'en va, ça enlève une flamme. Donc j'ai mis le tour. Ouais, on finit le tour. Ah, je rejouerai pas comme ça. Non. Il n'y a pas d'effet arrivé. Je viens de doubler les points de victoire sur la fin. J'ai fait tomber. Bravo. C'est ça sert à quelque chose que je fasse ma main, oui. Non. Ah si, parce qu'on peut détruire un personnage de ta main. Ouais. Et t'enlever des points. Pas mal. T'avais encore plein de cosmos là. J'avais quasiment que du cosmos. Ça fait un point quoi. Ça fait, hein. Ouais, déjà ça fait 2 points. Allez. 4. Je peux faire grand chose d'autre. Même pas 2 pour prendre le petit laveur qui fait 1 point. Ouais. Ah, j'ai pas vu qu'il était à 2, j'ai cru qu'il était à 3. Voilà. C'est dit quand même si, si tu peux pas l'acheter. Non, mais j'avais pas vu. Merci, merci.
Il y a plein de chevaliers d'or. C'est bon. Bah, c'est le dernier tour. Oui. Écoute, Gris m'aura pas piqué un seul de mes deux chevaliers noirs. Je sais plus, les chevaliers blessés, ils comptent quand même dans les points de victoire. Il n'y a que les chevaliers détruits qui comptent pas. Les chevaliers détruits comptent pas, ça c'est sûr. Pour les calculs des points. Non, pioche des fausses personnages blessés et armés encore en jeu. Ok. Quand j'ai plus de points que je crois. Il y a un truc au dernier tour. Je vais attendre. Attends. Bah, des fois qu'ils me détruisent un truc. Ah oui. Je vais compter vite fait, mais je vais compter. Pas des fois, pourtant. Ah, voilà, attends. Je suis là. Non, je suis là, c'est pareil. Il n'y a pas d'effet quand il est détruit. Ah, comme ça, il y a un chevalier de moins d'or de moins à acheter. Oui. Pourquoi vous voulez pas que je les achète? Oui, mais à côté, c'est juste des plus petits que peut-être il est plus facile à acheter. J'en sais rien, en fait. C'est plutôt que j'ai hésité. Alors, je défausse mon armure. Je révèle les trois premières cartes de ma pioche. Et on va dire que c'est Thierry qui me blesse l'un des personnages révélés. Déjà, tu peux pas me blesser mon armure. Je peux attendre, attends, si je le blesse. Ouais. Non, on va plutôt blesser lui. Parce que t'as envie de te faire pas le retirer un passage présent. Oui, sachez, juste retirer. Ouais, bah non, voilà. C'est lui. Et les autres arrivent dans la main. Voilà, t'as. Joyeux renfort. Ah, attends. Qu'est-ce que t'en as pensé, alors? C'est pas mal! Je trouve les cartes en plus très belles. Ouais, ouais, ouais. Surtout les armures d'or. Ouais, ouais. Bon, bah, j'ai pas tant de points que ça. Voilà. T'as combien? 30. Ouais, je vais nous résoudre aussi. Ah bah, je vais défausser lui pour retirer un personnage et puis on va. Ah, non, je suis là, c'est un truc. Ah, 600 cosmos, ça me plaît plus, ça. Arrivé, si un autre chevalier d'or est présent sur le terrain, retirez une flamme. On s'en va plus, il n'y a plus de flamme. Pour 2 et 3, 5. Je prends lui. Constant. Je ne peux pas les perdre. Vous avez combien de chevaliers d'argent? J'ai récupéré lui. Ouais, j'en ai qu'un. C'est une blague. Peut-être que je vais avoir un point de plus. Pourquoi c'était quoi ton. Faut t'en mettre plus que ouais. Les autres. Avec le, je sais pas quand même. J'sais pas. J'en ai 5. Mais... Oh bah, t'en as déjà plus que moi. Ah bah, largement. Je vais jouer mon argent. J'ai 22 points. Que je vais défausser avec un personnage de moi. D'accord. Oh, t'as 22 points. J'en ai 4. Du coup, tous mes personnages, mes personnages en plus, c'est le dernier. Je devrais avoir 28. Donc lui, il a 3 et lui, il a 2. Ça fait 3. Ouais, on regarde même plus ce que vous faites. Non, de toute façon, il a gagné. Donc, ouais, bah oui. On se bat pour la deuxième place, c'est tout. Hein. C'est bon, j'ai fini. Tu peux juste me dire que moi, j'ai peut-être chevalier d'argent juste pour que je sache si j'ai un petit point de plus ou pas. De toute façon, j'en fais cacher le ridicule. J'en ai 4. Yes! 23 points du coup. Okay. Génial, je suis ridicule quand même. 4. Okay. 14, 8, 19, 20, 9, 2, 5 et 5, 3. C'est bien les chevaliers blancs, okay. Ça rapporte aucun point. 25, 26. Ah, moi, il me rapporte 2 points, mais je fais des noirs. Oui, il te rapporte 2 points, toi. Mais il te rapporte 2 points. Il reste combien d'héros?
Deux héros? Ouais. Je crois qu'il m'en reste deux. Savoir si j'ai un point de plus. Il m'en reste deux. Ah moi, attends, je vérifie que j'en ai pas d'autres cartes, mais je crois pas. Elles sont forcément vertes, les héros. Si quelqu'un a plus de 5, ça sert à rien de compter. J'en ai 5. J'en ai 2. Du coup, c'est strictement plus ou pas? J'ai dit que j'ai retrouvé quoi ton corps, j'ai oublié truc, là, le nom de ton perso là. Marine de l'Aigle. Plus 1 si vous êtes le joueur possédant le plus de héros dans votre deck. Je pense que ça marche pas. Si vous êtes le joueur avec le plus de cartes, il n'y a pas de IA. Donc ça me fait 32. 30. Ça veut dire que tu gagnes. De peu, mais tu gagnes. Ouais, t'as pas grand chose. Mais déjà parce que t'as un point négatif en plus. Oui. T'as pas gagné plus 32. Bon, je l'ai plus. Ça va, il y a moins d'écart que je croyais. D'accord. Je l'ai plus, j'ai viré. Oui, moi j'ai pas réussi à le virer, moi. Je pensais que ça serait pire que ça. Bah, j'ai perdu des cartes qui faisaient. Heureusement que t'es marqué un personnage et pas un héros, parce que sinon je pouvais pas le virer. J'ai perdu 2 points, moi. J'ai 2 points. Et tu m'en as viré 2. J'ai pas réussi à lui piler, chevalier, moi. C'est entre mecs, j'ai pas réussi à avoir les deux, ils sont passés devant moi. Mais t'en fous. Sinon j'aurais joué. Oh. Ah. Non, c'est à cause de ceux qui assassinent. Ah, c'est pas bien de dire ça, Flo. Et puis tu me dépossais mes armures, j'en avais marre. Attends. Touche pas mes armures. J'ai même, tu me l'as détruite la carte qui permettait de faire ça avant que j'ai pu utiliser une seule fois. Non, non, non. Tu l'as fait qu'une fois. Deux fois. Deux fois, t'es sûr? Oui, bien sûr et certain. J'ai vu deux fois mes armures passer. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'avait la carte. Laquelle? Celle qui fait défausser les armes. Moi. C'est moi qui l'avais. Moi je vous ai pas embêté cette fois. Ouais, puis moi j'ai fait une fois aussi. Je crois. Par contre, cette deux seuls là, je vais. Elle m'énervait. Ouais, tu voudrais qu'elle l'appelle. Ah, c'est toujours bien quand ça énerve les autres, mais alors quand c'est pour toi. Je l'ai utilisé qu'une fois, moi. Ouais, sur le. Peut-être. Tu l'as utilisé combien de fois? 4 fois. Peut-être, mais c'est le but du jeu. Heureusement qu'il y a les chevaliers noirs et puis les dice pickers aussi. Quand je les avais ensemble, oui, ça m'a fait 8 points. Ouais, c'est pas fait. Il m'a sauvé. Ou 6 points, si j'avais mis 4 points. J'avais 3, c'est bon. C'est bon, tout est là. De l'autre côté, en faisant ça, du coup, là, t'as moins de puissance de frappe pour acheter. Les deux, t'as fait à 4 ensemble. Hein. Bon, oui, elles sont tombées une fois ensemble. Imaginez, c'est l'autre qui était obligé de taper sans pouvoir arrêter. Oui. Deux fois. Deux fois, ouais. Moi, je trouvais que c'était bien que ce soit toi qui joue avant moi. Je prends pas mal du tout. On n'a pas le temps de refaire une partie. Non, on peut faire une salade de points. Une petite salade de points, ouais, c'est vrai. Pour me rappeler les règles, c'est tout.